Bonsoir à tous, il est 18h tout pile, vous êtes sur 01 Net TV. Et en ce jeudi 5 novembre 2015, c'est avec énormément de plaisir qu'on vous retrouve, vous le savez. 30 minutes pour prendre le temps de débriefer toute l'actualité high-tech de cette semaine. C'est 01 Live Hebdo. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, Jérôme. Bonsoir. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et au sommaire ce soir, nous ah. allons parler de télé. Oui. Ou plus exactement de box télé. Vous savez que l'Apple TV nouvelle version vient de sortir. Et puis il y a d'autres produits également qui on a viennent d'arriver. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Hein Donc avec Allez. notre spécialiste David Noguera, on va essayer de faire le point sur tous ces nouveaux produits. Voilà, la guerre des box et non pas la boxe des guerres, parce que ça pourrait marcher aussi. Euh, on n'aura pas Delphine Sabatier aujourd'hui Jérôme Non, non. Non, non, elle m'a demandé de ne pas le dire, donc je ne le dis pas. Voilà, elle ne sera on pas, pas là, on ne va pas le dire. Verrez, pas le parce dire. Que même si Jérôme se met une perruque, on verra quand même, on sentira la, per, la supercherie. Ouais. En revanche, Jérôme, tu allais faire un petit tour du côté du salon de la photo tout à l'heure. Oui, c'est à Paris en ce moment, le salon de la photo. Alors, quelles sont les tendances ben, Les tendances, on verra que ce n'est pas très folichon, mais j'ai trouvé 2 trois trucs rigolos. D'accord, et puis après, direction le labo, bien sûr. Le labo Zéro net vous le savez, qui teste pour vous euh, et bien, énormément de produits. Là, on va vous faire un spécial smartphone tout à l'heure. Oui, exactement. Bien entendu, vous pouvez intervenir comme d'habitude. On attend vos questions, vos commentaires, vos réactions, vos remarques euh, sur Twitter, hashtag 01 Live. Et euh, nous recevons tout cela en temps réel. Voilà, vos messages arrivent d'ores et déjà. Euh, soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 01 live en direct comme chaque jeudi. Et avant d'évoquer donc la guerre des boxes avec David Nogara qui est à nos côtés, eh bien on va s'intéresser à notre question 01net Orange comme chaque jeudi soir. La question du jour, utilisez-vous une box TV vous-même Alors euh, oui, la box de votre opérateur, ou bien une Apple TV, une Android TV, euh, une clé hein, de type Chromecast ou autre, ou bien une autre box, parce qu'il en existe quand même de plus en plus, ou bien aucune, vous pouvez voter. Particularité cette semaine Questionnaire à choix multiples. Ben oui, parce qu'on ah peut oui. utiliser plusieurs boxes. Donc pour voter, une seule adresse, www01 net en un seul mot.com. Ce sondage s'améliore de semaine en semaine. Absolument. Ça devient impressionnant. Euh, on compte sur vous. Tiens, d'ailleurs, on salue tous ceux qui nous regardent aussi, que ce soit évidemment sur 01 nettv tv mais aussi sur orange.com, puisque ce 01 la vie hebdo est retransmis sur orange.com. Dernière chose intéressante, c'est des cadeaux. Euh, D'ores et déjà, regardez bien ce zéro en Live Hebdo en intégralité puisque tout à l'heure nous vous poserons une petite question concernant le contenu de cette émission. Et il y a toujours une enceinte Bluetooth à gagner. Jérôme, je sais que tu adores écouter la musique euh, bah, sous, ma douche. sous la douche, en tenant trop les dents, etc. Eh et bien, on vous offre une enceinte Bluetooth. Il s'agit euh, de la diva la la Cthulhu 2. Euh, enceinte très sympa. Qui a été élu meilleur enceinte par le Labo 01net et pour la remporter, il suffit d'aller sur 01nettv.com. Vous verrez sur la gauche, vous avez un petit questionnaire, une petite crée, une petite question. Vous y répondez, vous laissez votre mail et si vous attirez au sort, vous remporterez cette enceinte. Bonne chance, mais il faut rester jusqu'à la fin pour connaître la réponse à notre question. Voilà. Alors, elle est sortie il y a quelques jours à peine et, euh, et elle fait déjà couler pas mal d'encre. C'est la nouvelle Apple TV. Bonsoir David Noguera Bonsoir David. Elle est là effectivement. Toute non, petite, hein Toute petite. Un toute peu plus, plus grosse que les versions tout, précédentes. Un peu, un peu plus épaisse, ouais, avec cette fameuse télécommande avec cette nouvelle dragon, euh, qui euh, qu'on qu peut fixer euh, au port, qui sert aussi d'ailleurs à, à, à la recharger, mais euh, qui est, visiblement est un accessoire assez indispensable. Si j'y arrive. Voilà, ça fait un peu penser à une télécommande de Wii, non ouais, bah Oui, vrai, bah vrai, c est c est un ça. Oui, peu dragon de la Wiimote. Euh. Alors là voilà, on fait un petit plan peut-être là avec Pierre. Et voilà cette caméra. Regardez, en deux dos on dira un iPod qui a eu un accident. <laughs> un peu slim. Qui s'est fait écraser. Et puis de l'autre côté là vous avez on va dire les fonctionnalités basiques hein, de, la, de la télécommande avec en haut un petit pavé tactile. Hein. C'est oui, ça David. Hein. Exactement. Très bien. Et puis alors pourquoi une Dragon Il faut quand même le dire. parce C'est parce que c'est une manette de jeu oui. avec donc un accéléromètre euh, qui, qui va et donc vrai euh, être euh, un petit peu plus euh, manipulé. On donc c'est pour qu'elle ces jeu de, euh... dans, dans l'écran. Voilà. Pour voilà, pas casser les bibelots autour. Évidemment, euh, tout le monde attend au tournant cette Apple TV. Hein, Est-ce est que c'est la révolution tant attendue euh, On va vous proposer un test complet qui sera diffusé dès lundi sur Zéronat TV avec Pierre Fontaine, hein, qui ouais, l'a testé. En qui nous a déjà euh, publié un test, même euh, version écrite, mais qui va nous y revenir effectivement sous la forme de la vidéo euh, dès, dès la semaine prochaine. Alors moi, j'ai une question, David. Est-ce que ça sert à quelque chose, toutes ces box qui arrive comme ça là on commence à l'avoir partout ah, la, la promesse c'est un peu de, 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 de ne plus être dépendant du programme télé classique et de consommer sa vidéo comme on l'entend à l'heure qu'on veut euh, voilà donc c'est vraiment euh, se, se détacher complètement et de passer à du, à du à du flux du streaming en permanence avec des interfaces plus ou moins bien faites et forcément bah, ça, ça c'est voilà, le gros ajout le gros atout de ces box voilà parce qu'elles sont quand même il faut le dire beaucoup plus réactives beaucoup plus fluides que, hein, interfaces, que... que certaines interfaces téléconnectées où c'est quand même ouais. la, oui, la mais pas toutes. A... Bah, alors maintenant on a on des téléconnectés avec, alors... avec des plateformes ah oui, alors, connectées bien qui, qui bien vont bien des, des interfaces Android TV qui sont plus ou moins réactives oui, voilà, ça. mais euh, là en l'occurrence l'Apple TV sur le je crois, je crois que sur ce sujet là il n'y a, a pas débat c'est c'est très, très très fluide parmi les nouveautés il y a la commande vocale ouais. il ouais. y a effectivement cette fameuse commande vocale avec euh, avec Siri qui, qui permet de faire pas mal de choses en haut ouais, du, du, du pavé tactile du pavé tactile et de l'autre côté aussi et ce qui fait que d'ailleurs on n'est même pas obligé de l'approcher tout près de la bouche hein. euh, ça non non non, non tu pas besoin de, de la, non, de de la mettre sais, comme si. ça devant ta bouche d'accord Okay. Non, parce parce que que lui, que ça, 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 ça c'est plus trop naturel ça faisait, ça faisait très sympa bonjour non, non. à tous ça fait, plus, ça fait <laughs> voilà. pas trop naturel non, non, non. le micro des non, années en fait, 70 non quand ou... tu la tiens vraiment euh, en tenant en tendant le bras oui, euh, tout à fait normalement euh, elle, elle capte très bien la, la voix et donc on peut euh, lui demander des tas de choses euh, euh, de rechercher tel ou tel type de film tiens sorte des films pour les enfants etc ramène moi une pizza euh, qui est dans le frigo Alors, ça marche ou pas ça ça marche ça, ça pas en revanche tu peux avoir la météo les résultats de du de sport, sport etc ouais. d'accord euh, et c'est vraiment très réactif. Et, tu, et puis il y a cette fameuse fonction wahoo qui est étonnante où tu dis à ta console, à ta, à ta box euh, qu'est-ce qu'il vient de dire là dans le film, j'ai ouais. pas bien entendu. Et hop, bzzz, replay oh. en arrière, il te rejoue la dernière réplique avec même le sous-titre. Oh, ça c'est la classe. Mal, bon, le, on, ça on, a, faire... on arrive sur une certaine forme d'intelligence quand même. C'est vrai. Ouais. On, on doit s'en servir une fois par an, ce truc-là. Oui, <laughs> mais, mais c'est rigolo. <laughs> Je pense qu'on doit oublier qu'on a la fonction ah, finalement. Voilà, ouais. ça. <laughs> bon. Donc cet Apple TV, vous découvrirez le test complet euh, sur ZeroNet TV euh, lundi prochain lundi matin mais alors on parlait de guerre des box parce que alors il ya l'apple tv mais il y en a d'autres hein, jérôme et david aujourd'hui il ya plein 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 de gros acteurs de gros, gros constructeurs qui se lancent sur leur box et qui lance des boxes. avec sa nexus player euh, de free et sa mini 4k qui, qui, qui a fait sa box télé sous android tv alors moi ben, c'est vrai que je, je, sur android tv il ya ce fameux nexus player qui est un boîtier un petit peu plus neutre et surtout il y a un géant américain uh -huh. qui débarque en france qui est Roku et qui propose donc ce Roku 3. Alors, je, voilà, donc effectivement, on a nos JRI, très bien qui ont fait des plans. Et euh, bah, le problème, c'est que, alors pour ma part, j'en attendais beaucoup parce que Roku aux États-Unis, c'est euh, la super connu, marque qui... Qui, ah ouais qui, qui fait mmh. du, du, du très très bon service. Il paraît qu'ils vendent plus de Roku que d'Apple TV. Ah ouais. en fait, ah c'est bien possible, c'est effectivement monstrueux comme... Parce qu'il faut rappeler que le, le marché aux états unis n'est pas du tout le même que chez nous, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a, 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 a pas de box télé, véritablement. Ouais. Hein, vous, quand vous vous abonnez à un opérateur, vous vous abonnez à l'Internet et, et au téléphone, mais vous n'avez pas, pas la box. Voilà, vous pas pas la box. En Donc en après, libre euh, aux consommateurs, hein, aux utilisateurs d'acheter leurs box qu'ils veulent. C'est pour ça que ces box ont un vrai sens là-bas. C'est ouais. peut-être la question qu'on posera tout à l'heure. Puis en plus, le souci, c'est que moi, je vais pas super souvent aux états unis mais le peu de fois où j'y ai mis les pieds, regarder la télé, c'est quand même l'enfer. Il y a des pubs toutes les, euh, oui. toutes les <laughs> trois minutes, euh, ça, en plein milieu de scène. Donc je comprends que la VOD là-bas est... C'est-à-dire euh, qu'il y a des bouts de série des... au milieu d'écran de ce pub. Voilà, en fait, c'est ça. C'est plutôt, <laughs> plutôt comme ça il faut comme ça. le voir. Exactement. Et donc, donc Roku Ben très donc un très très gros, un très, très gros euh, acteur. Je veux pas euh, spoiler un peu trop le test qui va être aussi euh, mis en ligne euh, c est, c est, dans la foulée, là, d'ici ce soir ou, ou demain matin. Ouais. Mais euh, déception. Vraiment parce que déjà, alors le ah boîtier oui. il est pas très très grand, euh, mais il est finalement quand même pas super super joli. Ça fait un peu euh, un peu gadget, un peu toc. Euh, je l'ai pas trouvé. Euh, voilà, je trouve je trouve pas que ce non, soit un très, très très ancienne joli. Ancienne boîtier. Apple TV en moche. Voilà, c'est. Bon, enfin cela dit, les amis, bon c'est un truc qu'on va cacher. L'avantage, euh, bon, oui, 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 euh, 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 voilà, l'avantage, je trouve que c'est pas forcément l'argument. Non tu as raison, c'est tout petit. Et puis celui-ci, il est wifi cest c'est-à-dire que là il est donc il est wifi effectivement et Ethernet pour accéder au service se connecter mais surtout il communique avec la télécommande en wifi donc du coup il peut vraiment être euh, mis dans un meuble dans un placard il n'y aura pas problème donc, de problème de réception piloter le, le produit c'est pas ah, de l'infrarouge. je pense mmh. que l'Apple TV euh, c'est la même chose aussi Alors, est pas elle, est chose. Bluetooth. Elle, est, elle est voilà c'est du bluetooth c'est donc, donc ça traverse un petit ça traverse un peu. petit ouais. peu effectivement voilà. tout ce qui est meuble bon le souci c'est que le boîtier est pas très joli la télécommande ah, pareil, c'est pas non plus un ah ouais, modèle d'élégance. On dirait la télécommande d'un de de design JVC voilà. de 1984 pas, ouais, ou le pas design super chinois des années 90. Et, hein. Et le vrai problème, alors les, la télécommande, je vais tout de suite donner l'excellente idée par contre de cette télécommande, c'est oui. que comme oui. elle communique en Wi-Fi oui. direct, elle a ici une prise casque qui permet en fait, alors Roku livre un casque avec le produit quand même, qui est, Roku 3 qui est vendu à 120 euros, donc c'est leur solution haut de gamme, ils ont oui, Roku 4 trop, pour voilà, les États-Unis, qui est en ultra qui, HD mais qui n'est pas disponible, mais pas disponible en, France, en France. Et donc cette prise casque qui est sur la télécommande, eh bien, euh, présente l'avantage de transformer n'importe quel casque en casque sans fil. Donc je regarde mon programme télé, je branche mon, mon, ma télécommande sur enfin sur télé, mon casque sur la télécommande. Et, Et j'ai son... un système de ça, son cool. sans fil. Et ça, c'est une très très bonne idée. C'est une très bonne idée, c'est malin comme ça. Voilà. Ouais, Mais ça ne rattrape ah, pas tout le reste. Aïe, 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 aïe. Parce que l'interface est quand même pas très jolie. Euh... Alors, c'est pas on ne peut pas dire que ce soit lent parce que euh, les, les menus défilent bien. Mais il n'y a aucune animation particulière. Y a des, les applications sont très, très rares encore parce qu'il y a un vrai problème de contenu en France. On, a du, on va retrouver du YouTube, du Dailymotion. On va retrouver mmh. du Netflix aussi. Mais euh, ouais, ça n'a pas, pas aller. Un... C'est encore très, pas très, énormément très, très, très pauvre au, 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 du côté du contenu. Euh, voilà, Il faut dire que sur ces deux box, on peut désormais télécharger des applis. Des applis, hein, c est c est ce qu'on qu qu appelle les chaînes en tout cas sur Roku. Ouais. Et, euh, et pour l'instant, c'est très, très pauvre. Donc Des applis Netflix, cas, des, applis, euh, des applis de vidéo euh, mais et pas seulement pas seulement euh, si on veut que, fin, là en l'occurrence ça va toujours être sous la forme de vidéo mais si on veut euh, se suivre une chaîne de cuisine télé mm -hmm. on pourra effectivement le faire mais pas française voilà, donc mm -hmm. ça sera du contenu yes. donc ils, ils, ils promettent alors il faudrait parcourir toute la liste mais ils annoncent 1500 chaînes mm -hmm. mais effectivement pour le contenu français il euh, n'y a, a pas il a pas tout le replay d'Arte euh, que dm 6 ou, ou ce genre de oui elle ah, elle après pas. libre aux chaînes de, 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 de monter voilà. sur ces plateformes hein, de développer des applications voilà et est-ce qu'après euh, j'imagine que Roku fait son maximum évidemment pour avoir, pour, un, exact, voilà ouais. par exemple Canal+ il ah, n'y a pas Canal+ c'est quand même embêtant exactement euh, voilà bon, y a pas, bon. pas Canal+ il n'y a pas Pleuze il n'y a pas tout ouais, ça. il y, y, y a en, plus en plus a d'autres ou pas ça, David ça. Où on a fait le tour là hein. alors bah là j'en ai pris que deux bon après, après, après j'avais hein, aussi euh, pris une autre, une autre solution qui forcément euh, donc il y a un autre produit Roku qui est le streaming stick Ah ça c'est le plus petit qui est le plus petit en fait puisqu'il y a Roku 2 aussi à 90 euros ça c'est un produit à 50 euros donc forcément ça rappelle un peu les produits Chromecast sauf que ici le système est embarqué et donc du coup le connecte en wifi et je n'ai plus rien à faire j'ai plus besoin de mon smartphone pour diffuser du contenu tout est euh, embarqué après oui il y, y a effectivement de, de, de plus en plus de, de solutions et pour ça on va préparer un petit comparatif parce que c'est vrai qu'après la question oui. qu'on peut se poser est ce que en france avec euh, toutes les box qu'on a déjà, les box opérateurs, a-t-on besoin véritablement de ce genre de, de, de gadget j'allais dire Parce que c'est vrai que ça peut avoir mmh. un sens, mais c'est bah, plus, plus élégant, c'est plus fluide, c'est plus ouvert. Euh, mais non, mais mais plus élégant par rapport et plus fluide par ça, rapport à Ça, ça quoi peut équiper par une... rapport aux box d'aujourd'hui, les interfaces. Ouais, bah, écoute, ça peut équiper dépend, des boxes une maison de campagne. Ouais. Hein. Enfin, on, quand on a ça, typiquement, ouais, c'est genre de choses qu'on peut utiliser. à mais en euh... revanche, on peut pas regarder la télé. C'est sûr. c'est quand même un peu embêtant, ouais. Mais c'est pas fait pour ça. Pour l'instant, c'est pas fait pour ça. Sur l'appel TV, on ne peut pas regarder la télé. Ah bah non. bah non, bien sûr. Il n'y a pas de chaîne en streaming. Il n'y a pas de tuner. Il ouais, faudrait qu'il y ait des applications ouais. qui, permettent de faire euh, du... qui permettent de le faire. Mais vous imaginez la problématique en termes de serveurs, de débit et tout derrière. Mm -hmm. Donc on n'en est pas là. La télé sur IP. Euh, ouais, donc c'est bon c'est bon pour, pour ceux qui n'ont pas de box TV euh, ou peut-être pour une deuxième télé. de ouais. etc. Oui, pour faire de, de l'option. Mais bon, en l'occurrence, là, c'est bon, coût, Il y a du boulot à faire. Et les opérateurs proposent aujourd'hui des systèmes. On en parlait, Jérôme, il n'y a pas longtemps. Des systèmes justement où tu rajoutes quelques euros de plus par mois et tu une deuxième box télé de ton opérateur qui oui c'est bien c'est le mieux bah, c'est orange qui vient de sortir ça un petit euh, stick en fait c'est plus une box hein, c'est juste une clé hdmi wifi qu'on branche sur le téléviseur et qui va récupérer euh, Tout les le, toutes les données de la box principale et c est c est c est génial, de ça de louer une deuxième box ah en ouais. fait c'est un peu le chromecast de l'opérateur en quelque oui c'est ça exactement ah ouais. on n'a pas donné les prix oui hein. alors alors 120 euros pour la, la gana, Roku avec 3 la télécommande, haut de gamme, avec le casque, Roku etc. 2 qui est sensiblement la même chose que, euh, que Roku 3 avec l'option télécommande Wi-Fi en moins et puis celle-ci elle est en plus donnée pour le jeu mais euh, ça hmm. fait à peine la blague, hein, c'est vraiment des jeux qui sont euh, très très... Fin de très mauvaise qualité donc ouais. euh, voilà je considère pas que c'est enfin, que que sur la ce Apple TV il y a des trucs pas mal hein. alors que sur Apple TV y ouais. mal, il y a des trucs pas mal quand même le Rayman est quand même très très amusant ouais. Euh, ouais. Donc, et puis c'est voilà. euh, joli enfin les démos qu'on avait vu euh, ouais, le c'est les le autres sont bon, après il y a hein. des jeux il y a Crossing euh, Road c'est pas ouais. 90 pour Roku 2 et de, je crois que c'est 179, 179 pour l'Apple TV 179 et 229 je crois parce qu'il y a deux versions 32 et 64 Go voilà faites votre choix maintenant les amis concernant ces box télé merci beaucoup David Nogueira de rien. Soirée. <laughs> David Noguera qui, euh, vous le savez, officie au Labo01Net. Tiens, on va faire un petit coucou à Antoine Duchemin qui nous dit bonjour, je rentre du lycée euh, et je vous regarde en direct. Euh, bah, merci Antoine. Euh, J'espère qu'on ne va pas t'empêcher de faire les devoirs, parce qu'après, on n'a pas envie de se faire engueuler <laughs> ah non, par le pas en faut an, hein, pas hein. quand même. Voilà, tiens, si vous nous regardez, faites-nous un petit coucou, même si vous n'avez pas de questions, sur Twitter avec le hashtag 01Live, ça nous fera plaisir de vous lire. François, puisqu'on parlait des box, oui. c'était la question 01Net euh, Orange du jour. Quelle box Utilisez-vous une box TV, si oui, laquelle la. Voilà la tendance, c'est très intéressant. En priorité, la box de votre opérateur à 52%. David, euh, qui est toujours avec nous, peut commenter ah. aussi ses chiffres, hein, David. Euh... Voilà, on voit que c'est n'est quand même pas très implanté, ces, ces box. On, on, parle, là, les... cas, on, a quand, on a quand même un tweet d'une personne qui nous dit euh, que grosso modo les téléconnectés on en a un peu marre. <laughs> un ouais, peu, ben on voit pas, un pas trop ce que, que ça apporte quoi. Mais euh, bon voilà on voit que malgré tout le Chromecast est en deuxième position avec pratiquement 15%. Bah, C'est pas cher du tout un Chromecast. Il faut rappeler que ça coûte les, ouais, nou les nouveaux 30 coûte euros, si, 40 vrai, euros 39 euros. Ouais, ouais. Euh, voilà, n'hésitez pas à continuer à voter à hein, euh, tv.com vous avez ce petit sondage 0Net TV orange comme chaque semaine Jérôme, l'actu c'est aussi cette semaine le salon de la photo le salon de la photo de Paris qui se déroule à la porte de Versailles, on a de la chance tout se passe à la porte de Versailles en ce moment et ce salon de la photo qui bon bah, c'est vrai qu'on aime bien aller y faire un tour de temps en temps parce qu'il y a pas mal d'innovations mais cette année, bah, écoutez, il n'y en a quasiment pas hein. c'est en train de redevenir le salon de la photo vraiment le rendez-vous des passionnés de la photo pure et dure, du réflexe, même s'il a du mal à se maintenir, surtout le compact. Bon, toutes les grandes marques sont là, tous les passionnés sont là. Mais j'ai quand même trouvé des petites choses intéressantes. Ah, Regardez ça. Même. Vous connaissez euh, le fameux effet Matrix hein, qu'on oui, a vu vrai. dans le film Matrix. c'est quoi ça C'est l'arène Nikon. Et hein. ça c'est la reine Nikon. Alors regarde, c'est une démonstration, une animation qui est proposée. Hop, il saute devant une batterie d'appareils photo. Ah, on les voit là, sur ils sont tout autour. Là. Exactement. Et voilà le résultat. Ah, c'est génial. Voilà ouais. ce que ça donne. Bon, c'est amusant, hein c'est pas hyper nouveau, mais... Bon, ça fait Matrix, hein C'est complètement l'effet Matrix. Hein Il avait été Oula, fait euh, comme ça, l'effet les, les Matrix dans, hein, dans le film. Autre chose, la borne à selfie. Oula, je pense que là, tu vas nous sortir du lourd, <laughs> du révolutionnaire, Jérôme. Le selfie avec un appareil photo, c'est dépassé, avec un smartphone, c'est dépassé. Imaginez dans un centre commercial, dans, pour un, je sais pas quoi, une animation, un salon, n'importe quoi, la borne à selfie pour s'amuser euh, entre amis. Et la nouveauté, c'est que là, vous pouvez imprimer vos selfies sur papier, Voilà, c'est instantané. Et qui fait ça bah, C'est Photomaton. Voilà. Oui, Photomaton Et... qui essaie de... En fait, parce que... On se rend compte que alors ils font pas que ça. le c'était du c'est du selfie depuis toujours. Ben exactement. Et alors ils ont même poussé le bouchon jusqu'à faire le selfie 3D. C'est quoi C'est une cabine euh, où on se prend en photo. Mais est toi qui elle choisit est, le modèle Mais en réalité, elle est, il y a plusieurs caméras à l'intérieur et on peut ensuite choisir d'imprimer en 3D un avatar, donc un petit personnage, une petite statuette sur laquelle on va plaquer son visage. Voilà, c'est rigolo quand même. Alors c'est bah, entre compliqué. 20, 50, 60 euros. Et puis il y a une semaine de délai de fabrication quand même. Ah bon Ouais. Ah ouais. <laughs> c'est pas instantané. Bah, c'est de l'impression 3D. C'est de l'impression 3D. C'est très long, de c est c est très long hein, quand même d'imprimer ces petites choses. Voilà. Bon, c'était un bon. peu anecdotique. Ce qu'on peut voir en ce moment au salon de la photo à Paris. Si vous êtes de passage, euh, allez faire un tour. Alors c'est vrai que c'est un salon qui, est, voilà, on, on le voit hein, de plus en plus réservé aux passionnés, aux mordus de la photo. Mmh. Euh, mais on voit que le, le, voilà, la photo. Euh, subit les foudres de des smartphones bah, smartphone, qui euh, bien sûr. voilà aujourd'hui arrive à des qualités qui sont véritablement incroyables et ça devient vraiment aujourd'hui un marché niche alors que rappelle-toi mmh. il y a quelques années on avait tous notre appareil photo oui. <laughs> maintenant c'est fini enfin c'est fini pas pour euh, ceux qui sont passionnés 18h19 vous regardez 01 live hebdo en direct sur 01net tv et tout de suite on passe au labo Et juste avant, tiens, tu vois un commentaire sur Twitter, Ioni qui nous dit oh. cette bande selfie, c'est sympa pour les mariages, c'est exactement euh, la cible. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça coûte 3000 loues, euros Ça, ça quand même. fait une petite animation, quoi, oui, c'est ça Il vaut mieux de le louer. Le ouais, c'est ça. Voilà, on va prendre le micro le de micro... David qu'on va donner. Hop là, regardez. C'est le micro volant. À notre ami, le, le premier merci. micro drone. Stéphanie voilà. Mollier Stéphanie qui Mollier. nous a rejoint. Et avant d'accueillir Stéphanie, un mot quand même sur notre jeu, puisque je vous rappelle que euh, ce soir, nous vous offrons encore une fois un cadeau, Jérôme, une enceinte Bluetooth. Pour la salle de bain, tu l'as dit. Enfin, pour oui. la salle de bain, pas forcément, la salle ou ailleurs, de bain. Ou ailleurs, vous pouvez la mettre euh, n'importe où, hein, dans la cuisine, dans votre chambre, etc. <laughs> Une petite enceinte tous, ça vous dit. Alors, euh, rendez-vous sur www01 nettvcom Alors, bien sûr, c'est valable dès maintenant si vous nous regardez en direct, hein, puisqu'il est 18h20, mais aussi lors du replay, puisque ce jeu se poursuit tout au long de la semaine. Et donc, vous allez sur www01 nettvcom et vous allez pouvoir répondre à la question. Que nous vous posons. Écoutez bien, puisque en fait, la réponse à la question, euh, elle va bientôt arriver. Oula. Avec, avec Stéphanie Moligny qui nous a rejoint <laughs> dans ce studio. Salut Stéphanie. Bonjour. Euh, très près du micro. François, Stéphanie. Oui, bonjour François, bonjour important. Jérôme. Ça, c'est embêtant, c'est fichu micro, il faut toujours parler dedans. C'est un peu le problème de l'audiovisuel, hein C'est micro. -ce oui, mais. Micro en tout cas, ce sont de très bons micros, c'est pour ça. Stéphanie au labo 01 bien sûr, vous le savez, c'est notre spécialiste, elle teste les smartphones. Et aujourd'hui, Stéphanie est venue avec plusieurs smartphones. Mais qu'est-ce que c'est C'est un smartphone en or C'est un Poutine Phone. un, <laughs> <fait>. un Poutine <laughs> Phone. phone. Non, je Très bien. Euh, N'est-ce pas C'est le, le dernier euh, smartphone de Sony. Oui. Donc il s'agit en fait du euh, Sony. Euh, Xperia Z5 Premium. Alors, on en avait parlé au moment de l'IFA. Ah oui. C'est le troisième de la série. En fait, il complète euh, le Z5 euh, et le Z5 Compact. C'est le modèle le plus grand, en 5,5 pouces. Il joli. Hein. Et c'est surtout le premier écran 4K du marché. Oula ah, Donc, oula. la vraie 4K. Premier Sporting à dire 4K. que là, l'écran qu'on voit, c'est de l'ultra-G. Il a la même résolution que sur les écrans 4K qu'on achète dans le commerce. Euh, tout à fait. Wow. En fait, c'est une résolution très précisément, je vais vous le dire, de 2160. Par 3840 points, là où la quad HD n'atteignait que 1440 par 2560. Mmh, donc on a vraiment, euh, voilà, on a vraiment euh, la résolution la plus haute du marché sur un smartphone, c'est-à-dire euh, plus de 800 points par pouce. Alors là, évidemment, on le regarde à travers euh, du, du, du Full HD ou même euh, peut-être seulement du 720p, donc on n'a pas l'effet waouh. Mais en vrai, c'est vrai que c'est magnifique. Voilà, bon, à, à côté de ça, le design de l'appareil, bon, est un peu. Euh, un petit, peu, un petit peu too much presque. Ah, C'est oh, la, la, la couleur, mais sinon, tout. quand on regarde les photos, ah il y a une... une... En fait, il y a presque une impression de relief. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Hein. Bah, comme un, sur un téléviseur. Bon, euh, cela dit, ouais, je ne suis pas persuadé que euh, oui, l'œil humain ouais, voilà. ouais. voit euh, la différence entre 500 points par pouce la... et 800 points par et pouce. Et voilà, la 4K sur que, euh, ces petits écrans. Là, le marketing BD... a encore frappé. Au-delà de 300-400, euh, oui. c'est un petit peu oui. délicat. Ou alors, il faut s'appeler Steve Austin et avoir un œil biodique. Voilà, tout, 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 tout. Voilà, exactement. Steve Austin, pour tous ceux qui nous regardent, qui ont 14 ans et qui ne savent pas qui c'est. C'était quand même mon héros quand j'étais gamin, ah, c'était ouais. l'homme qui valait 3 milliards, et qui avait héros de toute une génération. Hein. Il faisait tout, 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 tout <laughs> comme ça et oui. puis d'un coup il avait un, il avait un le... autofocus et un zoom <laughs> intérieur. Hein c'est génial. Ouais. Hein Plus une super oreille et il était ah, oui. très très fort. Et puis des jambes aussi. Il, ouais. très il soulevait des camions d'une ouais, seule main. Ça, ah enfin. on va se faire un spécial Steve Austin. Ah oui, ça c'est bien. Bon. Alors là, sur, sur ce modèle 5,5 pouces, on est un petit peu plus dans la démesure hein, pour Sony, euh, qui n'excédait pas euh, généralement les 5, 5,2 pouces, etc. Donc, euh, on est en plus sur un modèle or. Donc euh, ouais. vraiment euh, un petit peu particulier. Il existe un modèle noir pour ceux qui préfèrent, je le précise, et il y a aussi un modèle miroir. Donc mais vraiment miroir. Mais il y a des gens qui aiment le modèle. Or Stéphanie, euh, il ne faut non, pas bouder le les trace de doigts de dessus. Ah c'est <laughs> super. <laughs> bon, ok, ça c'est le x Xp... juste, juste, juste un, un petit commentaire, les, les boutons sont bizarrement placés là. Hein. Ils sont en bas, sur alors, la, en bas à droite. Alors euh, c'est... Ça peut être un sens pour quand on prend des photos. Le, 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 la petite différence sur cet appareil, c'est qu'en fait, le, le capteur d'empreinte vient se loger. Euh, sur le, le sur bouton euh, ah, d'allumage du, smart, du smartphone, le bouton de veille. D accord, d accord. Ah oui, voilà, voilà Donc c'est si le bouton le droit, plus mais... important, mmh. il est situé au, au milieu. Et en effet, ensuite, on retrouve voilà. des, ça, des, des touches le, positionnées voilà. sur le, le petit bas petit de la Le bouton blanc, c'est le capteur d'emprunt. Mais le volume, voilà. là, c'est le bouton, les boutons du volume, ça C'est hein. en bas. C'est particulier. Mais d'un autre côté, quand on a un grand. Et ça, c'est le déclencheur d'appareil photo. Ça, c'est bien. Quand on a un, un grand smartphone, on a plutôt tendance à le tenir par, euh, le bas. par, par la partie basse. Oui. Vrai. Alors, euh, des questions arrivent, Stéphanie, pour toi. Chris oui et Wizdo qui nous demandent si l'autonomie n'est pas catastrophique avec un écran 4K. Mmh. Eh bien, on va le savoir euh, très prochainement puisqu'on vient oh tout juste aujourd'hui de recevoir le smartphone. Oh là 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 là. Alors, Donc, il faut... va falloir regarder voilà. zeronet.com. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été un petit peu déçu clairement par l'autonomie euh, des Z5 et Z5 compact par rapport à l'an passé euh, mm -hmm. les Z3 et les Z3 compact. Euh, ben, c'est un peu en cause le, le processeur Snapdragon Snap 810. Et le fameux voilà, 810 qui est assez gourmand. On a le même processeur hein, sur euh, le Z5 Premium, mais euh, la petite différence, c'est que là, on a une, une batterie de pratiquement 3500 mAh. Donc ça va peut-être bien se passer. Alors, on va enchaîner maintenant avec le téléphone Star que vous avez testé. Là, on a les résultats, euh, ma chère Stéphanie. Et oui. ils ne sont pas folichons, folichons. C'est le nouveau Nexus. Tout le monde attendait ce Nexus 5X, est qui est, on va dire, le, le nouveau flagship de Google. Euh, qui remplace voilà. le, Z, le Nexus 5. Exactement. c'est pas celui-là. Hein. Pas du tout. <laughs> je ah bon. une ah une moi, je faisais la, 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 la jeune fait, fille de salon. Voilà, nous n'avons plus non. Euh, mais mais on euh, non, on au on va labo le, voir. Voir. le Nexus 5X. On va le voir euh, voilà, sur le voilà. les images. Hein. Donc, Donc, alors, ouais, en revanche, le test est fait et on reste un petit peu sur notre fin. On est un peu déçu par les performances de cet appareil, mais aussi les choix de Google. Ce n'est pas avu. seulement une question de performance. Bah, c'est un appareil qui euh, finalement à l'usage est plutôt euh, sympa à utiliser, qui, qui fonctionne pas mal. Mais euh, bah, le premier, la première chose qui nous a un peu choqué, c'est le prix. 529 euros pour un design tout plastique. Mmh, ouais. bon c'est un prix qui, qui, qui le propulse un peu vers le haut de gamme. Et qui, euh, finalement, ne euh, bah, euh, correspond pas tellement aux critères du haut de gamme. On n'a pas de, on a pas évaluer, de métal, quoi. on n'a pas de verre, euh, on n'a pas de cuir, on a juste voilà, du plastique. Voilà, voilà. Pas et ce n'est pas, pas le seul défaut, parce que je, quand je dis 529, il y a une version à 479 avec 16 gigas de mémoire. Mais là, on la déconseille carrément. Oui, parce qu'il n'y a pas de, de slot a... mémoire euh, supplémentaire, on ne peut pas rajouter de mémoire. Donc on se retrouve ouais, donc, euh... avec, pour l'utilisateur, environ euh, 11 gigas. Ouais, C'est une fait, plaisanterie. On fait plus ah, rien. C'est pas possible. Aujourd'hui, on fait plus rien. Donc, avec gigas. 32 gigas, euh, 529 euros et du tout plastique. Bon. Ah, ça, 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 ça chiffonne un petit peu. Et puis, il euh, y a également d'autres choses sur le design. Il n'y a pas eu vraiment un gros effort mmh. de fait. Mmh. Les bordures... Qu'est-ce qu'il qu a fait ce, ce smartphone C'est LG. 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 Et voilà, LG nous avait actuellement. Ouais. Le 6, enfin, sans le doute problème. selon les recos de, de autre, Google. Je... Autre chose aussi, ouais. euh, c'est que l'appareil, c'est pas un Snapdragon, un Snapdragon 810, c'est un 808, mais ça chauffe aussi beaucoup. Et du coup, euh, l'endurance euh, sur Donc, les usages eh ben voilà. courants, c'est vous pas. Vous rendu... voyez. Quand Stéphanie fait son regard ouais, un petit quand peu a de chien battu comme ça, c'est pas bien. C'est pas bon. c'est euh... enfin, pas bon. Mais disons qu'aujourd'hui, il y a une telle concurrence dans le ma... sur le marché des smartphones qu'il y a d'autres smartphones euh, à choisir si on a ce budget-là, en tout cas. Les hein. amis, on a, pas, on a, dit le prix de celui-là en or, là. Enfin, qui est pas en or d'ailleurs, mais. Euh... On respire un grand coup. Oui. 799 euros. 799 euros. Oui. Bon, oui. tout va voilà. bien, celui. Et celui glace et tous les deux autres coloris dont tu parlais, noir et vitre, c'est pareil, c'est dans les mêmes eaux. Euh, une chose aussi, euh, juste pour terminer je, je sur, le, euh, sur que... le Nexus 5X, il euh, y a quand même un petit point que, que je voulais souligner, oui. c'est qu'il euh, a une prise euh, USB type C. Oui. Ça, c'est très bien, ouais. c'est tourné vers l'avenir. C'est le futur de la, de la prise. Le câble est réversible, c'est génial, etc. Sauf que sur le 5X, euh, là, j'ai amené le, en fait, le, le chargeur du Nexus oui. 6P, mais on a le même problème. On, on, il est livré avec un câble micro-USB type C, micro-USB type C et un chargeur micro-USB type C. Et donc, bah, ça veut dire une chose, c'est qu'on euh, oui. ne peut pas se oui. partir si juste pas... avec le câble, voilà. hein, parce qu'il mmh. faut le chargeur. Il faut le chargeur qui va avec. Voilà. Et autre chose également, on ne peut pas connecter ce câble à la plupart des, des PC. Ben non. Donc, transférer ces photos, c'est Il faut acheter un petit adaptateur. Difficile. faut acheter un câble adaptateur qui est fourni avec le modèle 6P. Ah, plus, cher, hein, qui est plus cher. Ah, mais pas avec le 5. Mais c'est l'avenir de, de la, la prise. François Google a manqué de générosité sur ce coup-là. On termine avec un autre smartphone. Oui, ah, il faut faire vite ça, alors. Cette fois-ci, fois voilà, petite le tout plus... dernier, c'est le OnePlus X. Il vient juste d'arriver, les amis. Ah, voilà. le OnePlus X, il est -ce que ça très, très attendu. Eh oui, il oui, est très attendu. J'ai vu le, le, en fait, le coursier d'HL arriver tout à l'heure, et Christopher <laughs> Simili, qui était tout excité, c'est le nouveau. OnePlus. Jeté dessus, voilà. voilà. Oui. Donc, euh, bah, j'étais à sa présentation euh, la semaine dernière euh, à Londres, et euh, il faut reconnaître que ce smartphone est plutôt joli. Alors, ce n'est pas un modèle haut de gamme, mais il est quand même très très bien équipé. Mmh. Déjà c'est la première fois euh, sur un appareil euh, que OnePlus euh, utilise euh, une technologie AMOLED pour l'écran. Mmh. Donc euh, ça rend plutôt quelque chose de joli avec des noirs très profonds. C'est aussi la première fois qu'il intègre un lecteur de micro SD. Donc ah. la mémoire est extensible, c'est plutôt des points positifs. Et euh, cet appareil, euh, même s'il n'est pas un modèle haut de gamme, il est équipé d'un Snapdragon 801 qui était le processeur haut de gamme de l'an passé. Et il ne coûte que 269 euros, ce qui est pas mal. D'accord, donc, donc pour, bien fini. Voilà, Véronique. C'est euh, assez joli. L'autonomie, euh, voilà. pas encore testée. Non, voilà, il vient on vient juste de le recevoir. Mais oui, bien sûr. Mais, euh, vraiment Mais on vous le montrer joli vraiment en avant-première. Hein. Il vient juste d'arriver oui, voilà, à la rédaction. Tout à fait. Et je sais que beaucoup. Euh, oui, l'attendent. Beaucoup de, de personnes l'attendent. On a comme Gallimard, par exemple, voilà, qui nous dit, on euh, On a ouais. du métal sur la tranche. Non, c'est vraiment euh, une très, très euh, jolie finition. Et qui a demandé manifestement beaucoup de, de, de main-d'œuvre, beaucoup de travail. Il y, a, il, il, un, combien il y a un côté un peu artisanal. 269 euros. D'accord. Merci beaucoup Stéphanie. Et puis voilà, ça, ça fera plaisir à Comme Gallimard qui nous disait, le OnePlus 6 sort aujourd'hui. Et bien voilà, non seulement il sort aujourd'hui, mais en plus, tu peux le il voir sur 01Net TV. Sur le plateau de 01Net TV. Euh, on termine peut-être par un dernier petit euh, la point sur la question orange. La question 01Net Orange, quelle box TV utilisez-vous personnellement Eh bien, c'est toujours, euh, ça n'a pas vraiment changé par rapport à tout à l'heure. La box de mon opérateur en priorité, ensuite la clé, une clé type Chromecast, et puis ensuite, bien loin, on trouve les Apple voilà. TV, Android TV, etc. Hein. Ouais. Bon et puis dernière chose, euh, en, toujours en allant sur euh, www.0nettv.com, on vous offre une enceinte Bluetooth DivaCore. Il suffit tout simplement de d'avoir bien écouté les propos de Stéphanie il y a quelques minutes pour avoir la réponse à la question qu'on vous pose d'ores et déjà sur 0nettv.com. Vous répondez justement, vous êtes tiré au sort, cette enceinte euh, d'IvaCor est à vous. Bonne chance, bonne soirée. Jérôme, on se retrouve bien sûr demain et très vite. Et tous les jours qui suivent, merci à Florian Beaufreton, Jean-David Duarte et Pierre Thiolin qui étaient à la technique aujourd'hui. Et à très bientôt. Voilà, Merci de nous avoir suivis. Juste un mot, euh, lundi on va parler télécom sur ZeroNet TV, puisqu'on vous le savez, euh, toute l'actualité high-tech et des télé télécoms et sur Zéro Net TV aussi, on vous euh, réserve une surprise, puisque du côté de chez SF, on va avoir pas mal d'annonces qui vont arriver là dans les jours qui viennent. Et on en parlera avec un invité exceptionnel qui répondra à nos questions lundi prochain. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.